Ouais. Il y a un petit problème en fait avec les streams quand tu fais ça avec tes listes de jeux pour quand même explorer tout un domaine particulier qui est celui du shmup et autres jeux de boulettes. C'est que en fait tu te rends rapidement compte que les shmups ont quand même squatté certaines lettres de l'alphabet. Et je voudrais pas dénoncer le S arbitrairement, mais très honnêtement, je crois qu'il est sévèrement squatté parce que entre les Sky que j'ai épuisé il n'y a pas si longtemps, il y a des Sky machin, des Sky bidule, des Sky trucs, des Sky, mais même pas du faux cuir quoi. Et donc, t'es là, tu fais, bah j'ai fait juste Sky et tu sais ce qui va arriver après. Et oui, il va y arriver, Space. Il faut toujours la reverb sur un space, c'est super important. Et là, vous entendez la musique qui se lâche, puisque ça va être un jeu qui commence par space. Mais je n'ai toujours pas la capture, et donc je vais vous laisser avec le flyer et divulguer son nom au monde entier, puisque c'est Space Cruiser qu'on fait aujourd'hui. Et s'il est déchaîné de la musique, bah on lui espère qu'il va être déchaîné du gameplay aussi, parce que ça pourrait être sympa. Alors, pour que vous puissiez le visualiser, ben, il faudrait peut-être que je lance la capture, les hommages. Et pour lancer la capture, il faut que je relance le bousin. Vous en avez l'habitude, c'est ce qu'on appelle le fail du démarrage. Un jour, je résolverai ce bug, y compris le bug de langue qui suit. Et on pourra enfin regarder un jeu au premier lancement du premier coup. Comment ça, le flyer gêne un poil? Non, mais vous avez entendu ça? 1980 et des soupières? Et on avait de la voix digitalisée. Oui. À l'époque, on pouvait dire digitalisée. Bon, maintenant, on a vraiment l'air d'un con en 2018 si on dit digitalisée, quoi. Tu dis dénumérisé, c'est mieux. Ah, c'est plus flinches. Donc, nous avons un shoot vertical avec une map immense. C'est plein de petits vaisselles. Il me dit quelque chose, ce truc. Ça y est, je sais pourquoi il me dit quelque chose. Est-ce que c'est parce que j'y ai déjà joué? Non, pas du tout. On va avancer dedans et je vous dirai après. C'est plus sympa. Alors, le bougre a l'air pas mal, hein, quand même. Oh, il y a même une phase de docking. Ah non. Non, c'est un vaisseau... Ami du vaisseau père, c'est donc le vaisseau mère. Et il nous crache toutes ces phases de gameplay là. Le truc a envie de qu'on s'abonne. Donc voilà, moi c'est ça qui m'amusait en fait, hein, c'est les patterns. Donc les patterns, bah, on les repère d'un certain Galaga. Et tout à l'heure j'en ai repéré d'un autre titre, ça me semblait être comme un petit peu à la Phoenix, je trouve. Bon, pour l'instant, je me suis contenté de rester assis sur mes fesses et de lui en mettre plein la gueule. On est en 1981, le pépère essaye de filer un max de gameplay différent, on va voir si c'est jouable. Si ça l'est, ben, ça va être un grand jeu. Non, pas la voix digitalisée. Regarde-moi ce décollage en 3D, on y croit totalement. Le vaisseau sort réellement de l'écran. C'est une cinématique de 1981. Et oui, je ne peux rien faire là. Ah, ça trousse, hein. Alors, j'ai droit à deux tirs, pas plus. Faut que ça percute ou que ça sorte de l'écran. Sinon, je vais in the bad. Tout le monde aura reconnu la musique. Dont je n'ai pas le titre en tête, mais. Oh, ce tir de gros! Ce tir de gros! Non, moi je flingue tout là. Et son tir en fait s'élargit au fur et à mesure qu'il descend en bas de l'écran. Motherfucker. Non. J'ai pas une méga bombe. Comment ça, je suis exigeant? Bah oui, mais j'ai le droit. Hein. Non. Il tire trop pour que je. J'arrive pas à passer à travers ses tirs pour lui en mettre un. Je fais qu'annuler ce qu'il m'envoie, ce gros crétin. Vu qu'on a que deux tirs et que lui, il en a plein. Oh, ça rime, c'était charmant, ça. Ceci dit, je râle, je pleurniche, je me plains. Mais, croyez-moi, le jeu est relativement souple.
Il est pas facile pour autant. Mais il me semble être jouable. Alors on va en refaire une parce que là je suis très curieux. Oui, ça ira très bien. Gohan! Alors faudrait que je demande à Michel et Dédé de Vol Level Bas si c'est eux qui ont bossé sur ce programme parce qu'il est pas mal. Et Michel et Dédé, enfin Dédé et Michel, c'était pas le bon ordre, pardon. Vous irez voir dans les autres streams. C'est nos amis qui ont fait une start-up des années 80. Ils sont un peu de la campagne. Et ils sont très très sympathiques au demeuré. Comment ça? C'est au demeurant qu'on dit? Ouais, donc je prononce, c'est pas grave. Toi, tu me menaces d'un air menaçant et ça... Non! Never. Never, never. Never again. I will kill every motherfucker in this restaurant. Non, 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 non. Alors, je sais, certains diront, ça ne change rien de parler au jeu, il ne t'entend pas. Oui, mais j'ai le droit d'y croire, que ça m'aide. Il me gonfle, lui, là-haut, il me supragonfle, il va me tirer une méga boulette, et voilà, dans mon... Dans mon cockpit. Oui, j'essaie de garder une certaine mesure. Deuxième tableau, c'est la fête. On va essayer de s'appliquer cette fois. Non, mais la hitbox, elle fait 2000 km de large. Je suis pas content et on n'a pas fait nos 5 minutes égales. Si, mais je vais quand même rejouer. Parce que j'aimerais bien voir s'il y a un bout de boss, je sais pas, n'importe quoi. Oui, il faudrait peut-être que j'arrête de jouer comme une buse. Alors ça, c'est une option. L'autre option, c'est que le jeu arrête d'être con, quoi. Merde. Ça se fait pas de traiter les invités comme ça. C'est au troisième tableau où tu commences à en mettre plein la gueule aux joueurs. C'est une tradition, c'est une coutume. Respect the elder. Vous n'êtes pas drôle, vous n'avez aucun humour. Faut rester au milieu, mais pas trop. Voilà. Pas médaille. Merde. Pas cool. Je m'attends à ce qu'il y ait le Toxic Avenger qui surgisse à n'importe quel moment. Oui, parce que cette musique a été usée et abusée chez Trauma Film à l'époque. Et qu'est-ce qu'on avait pu se poêler? Notamment avec le Toxi en tutu. Si vous connaissez pas tout ce qui est Trauma Film, je vous commande, je vous recommande, pas commander, je vous recommande d'aller y jeter un vaisseau. Puisque c'est très très drôle comme nanar. Space Cruiser, on a fait le tour. On va pas y rester éternellement non plus, puisque ça n'est pas un méga top jeu, ça n'est même pas un jeu sélectionné. C'est tout juste un bon petit jeu qui devait pas dépareiller dans les salles d'arcade de l'époque. Puisqu'au moins ça renouvelait un petit peu le gameplay par rapport aux autres bornes qui présentaient du Invader en rond d'oignon un petit peu lassant. Ceci dit, niveau jouabilité, c'est pas ce qu'on a fait de mieux non plus. Donc à mettre avec respect, oui, sur le dessus des jeux qu'on stalk dans la mag. Je rembobine. Sur le dessus de la pile des jeux qu'on stocke dans la malle au grenier, puisque c'est un ancêtre respectable, même si on n'a pas trop envie d'y revenir. Je vous laisse avec les deux streams habituels et je vous dis rendez-vous demain, 19h. Dites aux gens que c'est à 19h, c'est tous les jours, même le dimanche, truc de fou.